100 mètres. Alors, on va bientôt faire le décompte. Nous n'avions pas bien expliqué le déroulé. C'est l'émotion du jour. Bonjour à tous, chers amis. Avant tout, félicitations. Félicitations pour cette introduction. Ceci est le couronnement de travaux conjoints donc avec les équipes de Sopra, les équipes d'Axway, tous vos conseils et nos équipes de plusieurs mois. Donc toutes nos félicitations, effectivement, qui marquent cette introduction extrêmement importante pour vous, pour votre visibilité, pour la montée de votre stratégie indépendante, puisque maintenant, effectivement, vous allez être très visible en tant que cavalier seul, ce qui est d'ailleurs l'objectif premier des spin-offs. Vous savez que les spin-offs repartent en bourse depuis maintenant près de 2 ans. Nous avions commencé par Edenred avec le groupe Accor, puis Aperam ArcelorMittal. Nous avons eu ensuite TNT en Hollande, très, très gros groupe et plus gros spin-off historique depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, Axway et demain, on l'espère, Verallia. Donc c'est effectivement une stratégie qui est une stratégie très concluante. On espère que votre parcours sera aussi concluant que vos camarades qui ont choisi la voie du spin-off. Le spin-off, effectivement, a pour objectif de consolider sa stratégie qui repose sur une indépendance, mais également d'accroître sa visibilité au sein de l'écosystème boursier pour assurer son développement et sa croissance. Donc une fois de plus, félicitations. Vous êtes un groupe extrêmement global au sens anglais, cross-atlantique d'ailleurs, comme nous et pan-européen. Donc nous sommes là pour vous aider à piloter votre parcours en bourse qui ne fait que commencer. Hein. Le premier jour, le jour de l'introduction et la belle cérémonie et le début du mariage. Le mariage est une longue aventure. Nous sommes là pour vous conduire tout au long de ces années. Donc pour conclure, encore bravo et toutes nos félicitations et longue vie à Axway. Merci. Bien. Il faut aller là. Ce que je ressens, ce que vous ressentez tous, c'est que je pense l'ensemble des collaborateurs de Sopra, probablement les actionnaires qui nous suivent ressentent, c'est de l'émotion, c'est le sentiment d'avoir bien fait notre travail, un peu du devoir accompli et probablement beaucoup de plaisir in fine. Donc on va retenir ça. Pourquoi ce spin-off, pourquoi cette cotation? Je vais donner quelques explications et dire pourquoi nous avons choisi Euronext et pourquoi nous sommes ici finalement aujourd'hui. Le business model de Sopra Group a toujours été un business model de conseil, de société de conseil, de services et d'outsourcing. Mais à l'intérieur de ce business model, il y avait des produits. Tout le monde savait, nous savions qu'un jour, quand certains de ces produits, c'est le cas de la plateforme Synchrony d'Axway, seraient matures, il faudrait séparer. Il faudrait séparer parce que une société de conseil, c'est une société de service avec énormément de collaborateurs. Et un éditeur, au fond, c'est presque un industriel. Les organisations sont différentes, le management est différent, les marchés sont parfois les mêmes, mais différents. Un éditeur qui n'est pas mondial, ça n'a pas beaucoup de sens. Une société de service européenne, ça a tout son sens. Également, pour le séparer, bien, il fallait que l'ensemble de la stratégie soit plus clair. Or, on était arrivé à un état des lieux un peu confus où on ne savait pas trop ce que voulait Sopra et ce qu'allait devenir Axway. Donc, la décision de séparation. Après, pourquoi avons-nous choisi cette solution? On aurait pu prendre du private equity. On nous l'a conseillé. On a choisi de côté d'être sur Euronext,
Je dirais très simplement la notoriété, le sérieux, le fait que c'est public, qu'on publie sur nous et que les actionnaires, les collaborateurs, les clients savent, peuvent se renseigner. Il y a beaucoup de rigueur et beaucoup d'image derrière une société cotée. On avait le choix entre le faire avec une introduction en bourse, mais une petite introduction en bourse, ça n'avait pas de sens. Une grosse introduction en bourse, c'était une vente. Et au fond, ce qui s'imposait, c'est le spin-off, puisque les actionnaires qui ont fait le futur de ce bras groupe comprenant Axway sont les mêmes qui s'engagent sur le futur de ce bras groupe et d'Axway. On a, ce faisant, fait apparaître la valeur, puisque si vous vous souvenez bien, il y a 6 mois, le cours de Sopra tournait autour de 50-60 euros, et hier il était à 87. Donc au fond, l'ensemble du marché, les actionnaires, les collaborateurs, tout le monde a été d'accord pour que cette opération se fasse, et elle se fait. Eh bien, ayant dit cela, il me reste à remercier. Remercier d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des collaborateurs de Sopra Group, d'Axway, de ce que nous appelons le canal historique, mais les sociétés qui nous ont rejoints aussi pendant tout ce parcours, du beau travail qu'ils ont fait et qui permet cela. Je voudrais citer, je ne vais pas citer tout le monde, mais je voudrais citer 2 dirigeants, Jean-Paul Bourbon et Xavier Péquet, qui sont à l'origine de cette démarche. Et puis évidemment, Christophe Fabre, qui l'a brillamment reprise en 2006, s'est installé aux États-Unis, voyage entre ces 2 pays, et fait que nous sommes ici aujourd'hui. Je fais cela au nom de tous les actionnaires, au nom des membres du conseil d'administration de Sopra Group et d'Axway, et en mon nom personnel. Je voudrais également remercier l'équipe qui est principalement ici autour de moi et qui m'a accompagné avec nos conseils qui sont dans la salle pendant cette longue et exigeante démarche où tous les jours, parfois très tard le soir, il fallait reprendre la copie, corriger quelques chiffres, fournir des réponses. Ça a commencé il y a 1 an à peu près, mais on est arrivé au bout. Merci à eux tous. Enfin, je voudrais remercier l'autorité des marchés financiers et Euronext, j'allais dire pour leurs exigences, pour la rigueur, pour l'obligation qu'ils nous font d'être bons, et on a été bons puisqu'on est là aujourd'hui, la confiance qu'ils ont eue, et puis c'est le début, comme vous l'avez dit, d'une longue collaboration. Voilà, ben je veux vous dire que pour moi, c'est un point d'étape. On va continuer les 2 projets, celui de Sopra Group et celui d'Axway, de façon indépendante, en comptant sur cette cotation pour qu'elle nous donne les moyens demain de servir nos ambitions, qui sont de belles ambitions pour ces 2 sociétés. Merci à tous.